Hey, salut à tous et à toutes, c'est Ekar et on se retrouve pour une nouvelle vidéo défi. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous montrer comment et où conduire à travers des cercles enflammés. Du coup, il y a trois cercles enflammés sur la map et du coup, je vais vous montrer du coup vos endroits et du coup comment le faire en une seule game. Puisque vous allez voir que c'est très facile finalement. Il y a des endroits qui sont adaptés pour ça et vous allez voir, c'est pas si dur. Alors, du coup, n'oubliez pas, en tout cas, de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit like et du coup, de mettre le petit code créateur Bokuni dans la boutique. Ça nous soutiendrait énormément et grâce à ça, on peut vous faire des petits cadeaux. Du coup, voilà, merci à tous ceux qui le mettront et même pour acheter une petite émote ou un truc comme ça, ça nous aide énormément. Donc voilà, merci à vous tous. Alors pour ce défi, il va falloir atterrir juste en dessous de Craggy Cliff. Donc voilà, en dessous à droite. Du coup, vous allez voir des petits chemins de terre. Il va y avoir une voiture, du coup on va la prendre directement. Et vous allez voir que du coup le premier cercle de feu n'est pas très loin. Donc let's go. Et voilà, du coup une fois atterri du coup en bas à droite de Craggy Cliff, vous allez voir du coup il y a une voiture qui normalement est située juste ici. Vous allez devoir la prendre et du coup continuer le chemin. Malheureusement pour moi, il s'avère que j'ai pas de voiture qui a spawn. Du coup je vais aller prendre le camion qui est là-bas. Bon, finalement j'ai vraiment pas de bol. Je suis allé voir le camion, le camion était bloqué. Je suis allé voir du coup le petit tracteur qui était là-bas, enfin le 4x4 qui était là-bas, il est bloqué également. Donc je suis allé prendre un taxi qui est en contrebas. Donc voilà, je suis juste ici alors que normalement ma destination était là. Bon, ma foi, c'est pas très grave, on a un véhicule donc ça passe quand même. Alors il va falloir remonter un petit peu, vous allez voir que du coup le premier cercle de feu est juste à droite, on l'aperçoit d'ores et déjà, donc on a juste à passer dedans et du coup le premier cercle de feu sera validé. Et voilà, donc on a déjà le premier et maintenant je vous donne du coup la direction pour le deuxième, let's go, avant que je me fasse dégommer. Bon, encore les PNJ qui sont là-bas, j'ai vraiment pas de bol et en plus j'ai même plus d'essence, je sens que ça va être l'éclate hein. Bon, du coup, après avoir perdu mon véhicule suite à une détonation qui, du coup, a infligé de lourds dégâts à mon véhicule, qui, du coup, est là-bas en train de cramer, il y a, du coup, le deuxième cercle de feu juste ici. Donc, voilà, rappelez-vous que le premier cercle de feu est là, dans le terrain, d'accord? Donc, juste à droite de Craggy Cliff. Donc, premier juste ici, le deuxième est juste là. Donc voilà, on voit le cercle de feu directement ici. Donc je vais aller le prendre et vous allez voir du coup le troisième n'est pas très loin. Donc voilà, on va aller le prendre. Hop, voilà, repérez-vous du coup au bâtiment. Donc voilà, directement avec le pont bleu. Si vous savez où il est, c'est très facile de trouver l'endroit. Alors du coup pour le troisième endroit, il va falloir vous rendre juste au-dessus de Pleasant Park. Donc voilà, le petit truc de feu est juste ici. Donc voilà, encore une fois, le premier cercle de feu est ici, le deuxième est là et le troisième est juste en face du coup de Pleasant Park. Donc voilà, je suis ici, on peut voir un petit chemin de terre juste à côté de Pleasant, voilà. Et du coup on va le poursuivre et on voit le cercle de feu qui est juste en face, hein. Voilà. Attention, on va le prendre et ça validera notre défi. Et voilà, magnifique, juste ne dites rien, mécano, d'accord. Donc voilà, 3 sur 3, on a fini du coup la liste de défis. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner et à liker cette vidéo. Ça nous ferait extrêmement plaisir et sur ce, ciao, c'était Ekar.